Neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sixième jour de la neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. La merveille que nous allons contempler aujourd'hui, c'est la conversion de deux personnes non pratiquantes par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Autre conquête non moins merveilleuse de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous citons textuellement la lettre de celle qui fut l'heureux témoin de ce retour à Dieu. Mon révérend Père, il y a quelques mois, je suis allé vous demander un conseil pour une demoiselle dont la mère, âgée de 89 ans, vivait étrangère à toute pratique religieuse. D'un esprit cultivé et très distingué, mais de caractère intraitable, cette dame avait mené toujours une vie honnête selon le monde et trouvait cela suffisant. Votre conseil, mon père, avait été de lui donner une médaille de Notre-Dame du Perpétuel Secours et d'obtenir qu'elle lui adressât chaque jour une petite prière. Faut-il vous l'avouer? J'ai trouvé que vous auriez pu ajouter quelque chose à ce conseil. J'admirais votre foi sans la partager. On me dit du reste, au retour, que la fille de cette dame était dans les mêmes idées que sa mère, voulant lui faire recevoir les sacrements seulement au dernier moment, par bienséance pour le milieu social auquel elles appartenaient. Dès lors, je trouvais que toute intervention de ma part devenait inutile. 2 mois après, le remords de ne pas avoir obéi me fit chercher le moyen d'offrir à cette dame 2 médailles et d'obtenir de l'une et de l'autre qu'elle ferait chaque jour une prière à la Vierge miraculeuse. Au mois de décembre suivant, la mère demandait elle-même les sacrements qu'elle reçut avec une foi très vive et une grande piété. Dieu lui donna de vivre encore 6 mois. Elle en profita pour communier fréquemment, faire des progrès rapides dans l'amour divin et adoucir son caractère de fer. Au temps pascal, sa fille vint me trouver.
Cette année, j'ai fait mes Pâques, dit-elle. Cela vous fera plaisir. Je veux surtout que vous sachiez que le point de départ du retour de ma mère et du mien vient des deux petites médailles de Notre-Dame du Perpétuel Secours que vous nous avez données. Frères et sœurs, en ce sixième jour de la neuvaine, prions pour la conversion des pécheurs et du retour à Dieu des chrétiens indifférents. Et également, prions pour tous nos besoins personnels, les besoins de nos familles, besoins de notre chère patrie Haïti et de tous les pays en difficulté. Prions pour les besoins de l'Église. Prions pour les malades, pour les jeunes, pour les familles en difficulté. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Prière pour demander la conversion d'un chrétien indifférent. Marie, Mère de mon Dieu et secours perpétuel des hommes, tel que se présente à une grande reine un malheureux tout couvert de plaies et de souillures, ainsi, je me présente à vous qui êtes la reine du ciel et de la terre. Du haut de ce trône sublime où vous êtes assise, ne dédaignez pas. Je vous en supplie d'abaisser vos regards jusqu'à moi, pauvre pécheur. Car le Seigneur ne vous a comblé de tant de richesses que pour aider les pauvres pécheurs. Et s'il vous a constitué reine de miséricorde, c'est en fait que vous puissiez secourir les misérables. Fixez sur moi vos regards et ne les détournez pas que d'un chrétien indifférent vous n'ayez fait un fervent serviteur de Dieu et d'un pécheur élu. Ô ma mère, écoutez, exaucez la prière de votre enfant, ainsi soit-il. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous. Invocation à l'Esprit Saint. Esprit, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre divin amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Venez, Esprit Saint, venez par la puissante intercession de Marie, votre épouse bien-aimée, venez nous embraser. Ô Saint-Esprit, âme
de mon âme. Je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Très Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avait voulu prendre le très doux nom de Mère du Perpétuel Secours. Je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans mes tentations, après mes chutes, dans mes difficultés, dans toutes les misères de la vie et surtout à l'heure de la mort. Concédez-moi, ô Mère aimante, la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous sans cesse. Avec la confiance d'un enfant, afin que par ma supplication constante, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-moi, ô tendre Mère toute de bonté, priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Ma Mère du Perpétuel Secours, intercédez pour moi et obtenez-moi le pardon de mes péchés. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Maintenant, frères et sœurs, déposons notre demande dans le cœur de Maman Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Elle a le pouvoir de nous secourir. Maman Marie, sauvez-moi. Merci, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Merci. Récitation du chapelet de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Méditons les mystères glorieux. Première dizaine des mystères glorieux, la résurrection. Seigneur, révèle-moi combien tu es le vivant qui me donne la vie. Ô Mère du Perpétuel Secours, écoutez nos âmes qui vous invoquent. Vous pouvez nous aider dans nos besoins, Marie, avec espoir, nous vous appelons. Ô Marie, aidez-nous. 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 Ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Deuxième dizaine des mystères glorieux, l'Ascension. Seigneur, fais de moi ton visage, tes mains, ta parole pour tous les hommes de ce monde. Ô Mère du Perpétuel Secours, écoutez nos âmes qui vous invoquent. Vous pouvez nous aider dans nos besoins, Marie, avec espoir, nous vous appelons. Ô Marie, aidez-nous. 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 Ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera.
Troisième dizaine des mystères glorieux, la Pentecôte. Seigneur, par ton Esprit Saint, fais de moi ton apôtre, ton envoyé, ton témoin. Ô Mère du perpétuel secours, écoutez nos âmes qui vous invoquent. Vous pouvez nous aider dans nos besoins, Marie, avec espoir, nous vous appelons. Ô Marie, aidez-nous. 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 Ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Quatrième dizaine des mystères glorieux, l'Assomption de Marie. Ô Marie, apprends-moi à remettre mon esprit entre les mains de Dieu en tout temps. Ô Mère du perpétuel secours, écoutez nos âmes qui vous invoquent. Vous pouvez nous aider dans nos besoins. Marie, avec espoir, nous vous appelons. Ô Marie, aidez-nous. 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 Ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous, ô Marie, aidez-nous. Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera. Cinquième dizaine des mystères glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Ô Marie, apprends-moi la loi du royaume, les béatitudes de ton Fils. Ô Mère du perpétuel secours, écoutez nos âmes qui vous invoquent. Vous pouvez nous aider dans nos besoins, Marie, avec espoir, nous vous appelons. Ô Marie, aidez-nous. 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 Marie nous a aidés. Marie veut nous aider. Marie peut nous aider. Marie nous aidera. Ave, 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 Maria. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Adorons Dieu le Père qui nous a créés. Je vous salue Marie, fille du Père, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Adorons Dieu le Fils qui nous a rachetés par sa mort sur la croix. Je vous salue Marie, Mère du Fils, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Adorons Dieu le Saint-Esprit qui nous unit au Père et au Fils. Je vous salue Marie, épouse bienheureuse du Saint-Esprit, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec Notre-Dame du Perpétuel Secours, rendons gloire à la Trinité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Nous nous mettons sous votre protection, ô Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos invocations dans la nécessité, mais délivrez-nous de tous les dangers, ô toujours glorieuse et bénie Vierge Marie. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Méditation et prière du sixième jour. Méditation sur l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Marie, nous regardons ton enfant. Ce n'est pas vraiment un bébé. Il est vif comme un enfant de plusieurs années. Nous retournons en pensée à Nazareth, à la vie de famille monotone et tranquille. Tu te consacrais aux besognes domestiques, la cuisine, le four, la corvée d'eau et de bois. Tu allais à la fontaine publique du village en tenant Jésus par la main. Là, on saluait les gens, on parlait, on commentait les nouvelles du pays, pendant que les enfants du village et Jésus avec eux jouaient avec entrain. Tu souriais avec satisfaction. Avec Joseph et Jésus, tu formais une famille modeste d'Israël.
ensemble, prions. Déposons dans le cœur immaculé de Notre-Dame du Perpétuel Secours notre demande en ce sixième jour de la neuvaine pour une sixième grâce. En présentant notre demande aujourd'hui, nous allons avoir une intention particulière pour toutes les familles, spécialement les foyers en difficulté. Prions pour nos enfants, nos jeunes, l'Église et ses pasteurs. Prions également pour notre chère patrie, Haïti. En ce moment bien précis, déposons notre demande dans le cœur de Maman Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Merci d'avance, Maman Perpétuelle. Merci d'avance. Petite Maman Marie, pas jamais perdu du bataille. Ave Maria, pas gagné, bon Dieu, pas qu'à faire. Ô ma mère du Perpétuel Secours, je ne viens pas aujourd'hui vous demander des biens temporels, mais des choses qui soient agréables à votre cœur. Vous qui êtes très humble, obtenez-moi donc l'humilité. Vous qui avez été très patiente dans les peines de la vie, obtenez-moi la patience dans les contrariétés. Vous qui avez toujours été détachés des biens de la terre, obtenez-moi le détachement de toutes les créatures. Vous qui avez été toujours la pureté même, obtenez-moi une parfaite pureté de cœur. Vous qui avez toujours été rempli de l'amour de Dieu, obtenez-moi le don du pur et saint amour. Vous qui avez été toute charité envers le prochain, obtenez-moi d'aimer mes frères saintement et efficacement. Vous qui avez été toujours unis à la volonté de Dieu, obtenez-moi la même grâce, surtout dans le choix de mon état et en une complète conformité avec toutes les dispositions de la divine providence. Rendez-moi saint. Ce sont les grâces que je vous demande. Ne permettez pas que je défaille dans la pratique de la vertu. Ô Marie, ma mère, mon amour, ma vie, mon refuge, ma consolation, mon perpétuel secours. Amen. Ave Maria, tout est possible à Dieu. Ave Maria, tout est possible à Dieu. Ave Maria, tout est possible à Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez l'Église, protégez le monde entier, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Prière pour Haïti. Toi qui as été au secours d'Élisabeth, ta cousine quand elle était enceinte de son fils Jean le Baptiste. Toi qui as volé au secours des mariés aux noces de Cana en Galilée. Toi qui as accompagné les apôtres après l'ascension de ton fils auprès de son père et ton père. Et toi aussi qui as prié pour la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres, pour donner naissance à l'Église dont nous sommes les membres. Viens renouveler les énergies humaines et intellectuelles du peuple haïtien, pour que nous ayons des citoyens dévoués à la cause de notre pays et que notre peuple connaisse de nouvelles croissances en humanité et qu'il soit toujours régénéré par la puissance de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous, imploré votre protection ou réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes humbles prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ave, 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 ave Maria. Litanie de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui es Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui es Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Maintenant on répond, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Reine conçue sans péché, priez pour nous. Reine du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Et maintenant, après chaque invocation, on répond, venez à notre secours, ô charitable Mère. Mère du Perpétuel Secours, dont le nom inspire la confiance, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous nous conformions en toutes choses à la volonté de Dieu et à celle de votre divin Fils, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous puissions déjouer les pièges du malin, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous nous souvenions toujours de nos derniers moments, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous nous approchions toujours des sacrements avec ferveur, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous évitions toute occasion de péché, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous ne négligions jamais la prière, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous n'oublions jamais de vous invoquer dans les moments de tentation, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous soyons toujours victorieux des tentations du malin, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous pardonnions généreusement à tous nos ennemis, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous ne puissions jamais commettre de péché mortel, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous évitions toute mauvaise fréquentation, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous puissions être fortifiés dans notre inconstance, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous ne puissions jamais remettre notre conversion quotidienne, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous combattions nos mauvaises habitudes avec zèle, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous vous aimions toujours plus, venez à notre secours, ô charitable Mère.
pour que nous portions notre prochain à vous aimer, à vous servir et à vous invoquer. Venez à notre secours, ô charitable Mère, pour que nous vivions et que nous mourions dans l'amitié de Dieu. Venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans tous les besoins de l'âme et du corps, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans notre pauvreté et dans notre détresse, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans les persécutions et les moments d'abandon, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans les moments où notre esprit souffrira, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans les périodes de guerre, de famine et d'épidémie, venez à notre secours, ô charitable Mère. Dans toutes les occasions de péché, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous sommes assaillis par les forces du mal, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous succombons aux tentations de ce monde, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous luttons contre les mauvais penchants de notre nature corrompue, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous sommes tentés contre la sainte vertu de pureté, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand la mort se rapproche, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous perdons nos sens, venez à notre secours, ô charitable Mère. Au moment de notre départ de ce monde, pour que nous ne soyons pas remplis de crainte et de terreur, venez à notre secours, ô charitable Mère. Au moment de la mort, quand le mauvais essaiera de plonger mon esprit dans le désespoir, venez à notre secours, ô charitable Mère. Au moment où le prêtre nous donnera la dernière absolution et la dernière bénédiction, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nos amis et nos relations entoureront notre lit avec compassion pour invoquer sous la clémence de votre nom, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand ce monde disparaîtra de notre vue et que notre cœur cessera de battre pour toujours, venez à notre secours, ô charitable Mère. Pour que nous remettions notre âme entre les mains du Créateur, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand notre âme paraîtra devant le souverain juge, venez à notre secours, ô charitable Mère. Lorsque la sentence irrévocable sera prononcée, venez à notre secours, ô charitable Mère. Quand nous serons en purgatoire et que nous soupirerons après la vision de Dieu, venez à notre secours, ô charitable Mère. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, ô Mère du perpétuel secours, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui, en vue de secourir la race humaine, avez voulu que la bienheureuse Vierge Marie devienne la mère de votre Fils unique,
accordez-nous par son intercession, nous vous en supplions, de toujours éviter la contagion du péché, pour que nous vous servions toujours avec un cœur pur. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse et bénie. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez l'Église, protégez le monde entier, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Que le Seigneur Tout-Puissant, par Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, nous garde. Qu'il nous délivre, qu'il nous guérisse, qu'il nous protège et nous bénisse, et fasse de chacun de nous une bénédiction pour les autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, mettons-nous debout pour saluer notre Mère, au pied du trône de Marie. Au pied du trône de Marie, qu'on est heureux de se revoir près de cette Mère chérie, qu'on aime à prier chaque jour. Ô tu chrétien, l'unique espoir, ô Vierge sainte, vois tes enfants à tes genoux, bénis-les tous. Bénis celui qui te révère, bénis le pécheur malheureux, bénis le pauvre sans chaumière, bénis le riche généreux. N'es-tu pas la reine des cieux et de la terre? Vois tes enfants à tes genoux, bénis-les tous. Nous allons quitter cette enceinte où chacun vient te supplier. Nous te quittons, mais sois sans crainte. Nos cœurs ne sauraient oublier. Demain toujours pour te prier. Ô Vierge sainte, nous reviendrons encore te voir, Mère sainte.